Bonsoir, Madame et Messieurs, et bienvenue. Vous êtes ici pour un défilé de mode. Merci. Je m'appelle Gordon, et aujourd'hui, pour votre plaisir, voici mes étudiants français. Nous commençons avec Tobias. Bonjour et bienvenue au défilé de mode tout le monde. Je m'appelle Tobias et je travaille pour la boutique de Tennis Canada. Et maintenant, commençons avec Denis Sapovalov, avec son chien qui porte le vêtement pour le printemps. Il porte une chemise bleue, une short noire et des chaussures bleues. Il porte des chaussettes blanches aussi. La chemise coûte 65 $, le short coûte 50 $ et le social coûte 100 $. Merci Tobias. Et maintenant, c'est Grace. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Grace et je travaille pour la maison de grand-mère. Aujourd'hui, nous commençons avec Ella et ses vêtements de printemps. Elle a pour une jupe qui est de couleur bleue et coûte 33 $. Elle a une chemise bleue qui coûte 18 $. Elle porte un beau chapeau bleu avec une petite noix qui coûte 79 $. Merci de voir regarder. Merci Grace, fantastique. Et maintenant, Olivia, s'il vous plaît. Salut mes amis, je m'appelle Olivia. Je travaille pour le magazine de sport et maintenant nous commençons avec Lia qui porte les vêtements pour la printemps. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Lia et je porte une chemise verte, un capri noir et des bottes de randonnée brunes. J'ai aussi mon chien brun Buddy. La chemise verte coûte 30 $, les capris noirs coûtent 50 $, les bottes de randonnée coûtent 60 $ et Buddy n'est pas à vendre. Merci, Olivia. Maintenant, Timothy. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre défilé de mode. Je travaille à la maison de Danton et je m'appelle Jean. Maintenant, je vous présente Michel. Il porte une très paire de jeans gris clair qui coûte 100 $. La veste grise et foncée coûte 200 $. Il porte aussi un t-shirt blanc à la mode qui coûte 50 $. Et voilà notre tenue de printemps. Merci Michel. Bonjour, madame et monsieur. Je m'appelle Sophia. Je travaille pour la maison de Hartwig. Maintenant, nous commençons avec Violet. Violet porte les vêtements pour l'être. Violet porte un chemise rouge et dentelle avec un jupe crème. Assorti un nouveau style de talons rouge et un collier de perles de Cartier. Merci. Enfin, c'est Roger Federer qui porte le vêtement pour l'automne. Il porte un sweatshirt rouge et noir,
en pantalon gris et des chaussures rouges. Il porte des chaussures blanches aussi. Le sweatshirt coûte 85 dollars, le pantalon coûte 70 dollars et la chaussure coûte 120 dollars. Merci pour votre attention. Merci, Tobias. Et maintenant, Roxane et Olivia. Prochain est Steve qui porte les vêtements pour l'automne. Bonjour, je m'appelle Steve et je porte une rouge chemise, des bleus jambes, un paire de chaussettes blanches et une paire de bottes de randonnée noires. Les chemises coûtent 30 dollars, les bleus jambes coûtent 60 dollars, les paires de bottes de randonnée coûtent 60 dollars et les chaussures coûtent 20 dollars. Merci, Olivia. Et maintenant, nous avons notre sélection d'automne. Il porte une imperméable noire, taille 10 pour 60 dollars, un gros sac à dos brune pour 40 dollars et une paire de bottes noires, taille 11 pour 150 dollars. Merci, Eric. Andrew porte le vêtement pour l'automne. Il porte un jean en denim blanc avec un tricot torsé, un pobodou, basket noir et blanc et un sac à dos en cuir marron. Merci, Eleanor. Madame Adèle porte des vêtements pour l'hiver. Elle porte un manteau gris avec doublure en fourreau. Elle porte un pantalon noir et des bottes marron. Elle tient un machin et ses cheveux sont attachés. Ses tenues coûtent 75 dollars. Au revoir. Je vous présente Karen. Elle est en train de modeler une belle tenue d'hiver. Elle porte une longue jupe violette et un petit manteau bleu avec un bordure en fleurie. Ses longs cheveux noirs et bleus sont en queue de cheval. En plus, elle a deux accessoires de papillon bleu dans ses cheveux. Enfin, elle a une jolie écharpe rouge autour du cou. La jupe coûte 100 dollars. Le manteau coûte 130 dollars. L'écharpe coûte 20 dollars. Les accessoires de papillon coûtent 10 dollars chacun. Ces tenues sont disponibles à la maison de Dante. Elizabeth porte le vêtement pour l'hiver. Elle porte une veste body de fourrure bourgogne avec un jupe droit blanc et bottes de nage grisée. Elle marche un chien noir et brun. Merci, Eleanor. Merci à toutes les personnes. Et maintenant, si tous les participants montent sur le stade, s'il vous plaît. Avec moi. Merci. Et félicitations.